Classic funk, rare fan de funk, le meilleur du dance floor des années 80. Les années disco funk avec Willy sur RTVFM. Bonjour à tous, pour les habitués, pas de problème. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, RTVFM le vendredi à 18h, ce sont les années disco funk en direct jusqu'à 19h. Que vous soyez chez vous ou dans votre voiture, merci d'écouter le 102.2 en FM. Et si vous êtes dans les embouteillages, eh bien, bon courage à vous. Alors, comme d'hab, quelques messages d'auditeurs qui nous écoutent sur le www.rtfm.net. Il y a Brigitte de Montigny-les-Metz dans le 57, la Moselle. Babette et Charlie, des amateurs férus des années 80. Eux, ils habitent à Longpont-sur-Orge dans le 91 et c'est l'Essonne, le sud de Paris. Aline et Rémi de Vintabrin dans le 13, les Bouches-du-Rhône, ça se rapproche un petit peu. Et enfin, encore plus près, Patrice, chauffeur, livreur entre Avignon et Nîmes, et nous écoute dans son camion connecté. Mais oui, merci à toutes et tous de votre écoute, et puis grosse bise mesdames. Et comme d'hab, aussi, je vous propose 10 titres des années 70 à 90, parfois méconnus, et j'essaye toujours de déterrer de belles versions que l'on n'a pas l'habitude d'entendre. N'hésitez pas à me contacter sur willy@rtfm.net pour me dire ce que vous en pensez de cette émission. Assez parlé, place à la musique. Et on commence par un morceau très rare et très étonnant, groupe italien très secret sur sa courte carrière, titre classé Italo-disco ou Electro-disco, parfois boogie ou encore post-punk. Ah oui, rien à voir. Autant dire que la sonorité est assez étrange et inclassable en fait. Juste qu'il est du début des années 80 et que je vous l'offre en exclu RTBFM, comme je viens de le dire, très rare. Gaz Nevada, Icy, Love Affair, 1983. Dans les années disco funk sur RTVFM.
l'avez dit, hein, inclassable. C'était juste pour la mise en bouche, ou plutôt la mise en basket. Hein, juste pour les réchauffer un tout petit peu avant le morceau qui vient et qui lui va bien les brûler. Vous allez mettre le feu. Howard Johnson est un chanteur de funk, soul et R&B afro-américaine, ou afro-américain pour lui, originaire de Miami en Floride. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, c'est le début, après tout va bien. Deux de ses chansons se classèrent au premier rang des charts américains pendant les années 80, So Fine en 82 et Stand Up en 85. Son album Keepin' Love New, sorti en 1982, quoique peu connu, est une grande réussite et par conséquent reste une référence pour les amateurs de son funk du début des années 80. Le morceau suivant est extrait de cet album, justement, Howard Johnson, Say You Wanna, 1982.
Chanteurs américains décident de faire un duo, rien d'anormal, mais contrairement à ce qui se fait habituellement, seul Cheryl décide de l'inclure à son album de 1985. Alexander O'Neill, le second, lui, décide de le réenregistrer en 2007, mais avec une autre chanteuse. Ah bah oui, pourquoi pas, un peu plus jeune certainement. Et finalement, Cheryl et O'Neill se retrouvent sur les BET Awards en 2011 avec une toute nouvelle version du morceau. Je vous offre leur version originale, qui restera tout de même la plus pure. Ils passent tous les jours de la semaine en revue, mais s'arrêtent à l'amour du samedi soir. Pourquoi pas y aller comprendre. Cheryl et Alexander O'Neill, Saturday Love 1985. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTV FM. Saturday Love.
reviendra dans une autre émission un petit peu plus tard, mais ce sera Cherelle toute seule sans Alexander O'Neill. On se rappelle de ce groupe américain surtout pour leur plus gros carton mondial de 78, le Freak. Eh oui, le Freak n'étant pas l'argent, mais le mot dingue. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il travaille pour de nombreux artistes en tant que compositeur, musicien et producteur, par exemple avec Diana Ross, quand même pas n'importe qui. Là, je vous ai choisi un de leurs titres un petit peu moins connus. C'est ça aussi les années disco funk, vous faire découvrir des titres inconnus ou un petit peu oubliés. Chic, donc, avec I Want Your Love, oh oui, je veux votre amour, en 1978.
Voilà, pas mal, mais c'est ce qu'on disait en off, hein. C'était une phase B, mais à l'époque, en 80, dans les années 80 ou en début, eh bien, la phase B, des fois, elle restait dans les cartons, alors qu'elle était parfois encore meilleure que la phase A. Eh bien, là, vous avez eu la phase B, voilà. Ce groupe américain était très bien parti au début des années 80. Au plus fort de la funk, ils sortent un album en 1982, qui cartonne, puis un second en 1983, qui rencontre le même succès. Mais allez savoir pourquoi, leur bio ne fait état d'aucune séparation, vraiment aucune, et pourtant, ils s'arrêteront à ce second album. Tant pis pour nous, et pour eux aussi certainement. Ce titre dit « Vous êtes le gagnant ». Eux, eh ben ils ont perdu, semble-t-il. Ike Fashion, You're the Winner, 1982.
cause de leur nom, certains pensent à tort que ce groupe est américain et pourtant pas du tout. Il est anglais, écossais plus exactement. Leur carrière a commencé en 1985, mais ce n'est qu'en 88 qu'ils font leur première scène et surtout, en 1989 qu'ils se font réellement connaître. Et d'ailleurs, grâce à ce titre. 9 albums plus tard, tous avec pratiquement le même succès auprès du public. Le dernier est quand même de 2017. La belle voix reconnaissable de suite de la belle Charline Spiteri est toujours là. Vous les avez reconnus, et oui, Charline Spiteri, bien évidemment, c'est Texas qui ne voulait pas d'amant ou d'amoureux. I don't want a lover, 1989. Les années disco funk avec Willy sur RTVFM. I don't
assez étonnante que celle de cette artiste afro-américaine. Deux albums en 75 et 76, puis plus rien de ce côté-là. Mais par contre, entre 75 et 2012, très régulièrement, elle sort des singles, puis des EP, et le dernier en date de 2012 est même un maxi 45 tours vinyle 60 Yards. Elle changera, écoutez bien, 12 fois de maison de disques. C'est quand même étonnant. Mais bon, peu importe, pourvu que sa musique reste là. Carol Williams, Can't Get Away, 1982. Needing you.
américain et il a fait le bonheur de millions de danseurs sur les pistes de boîtes de nuit du monde entier, notamment avec son titre Square Rooms. Si ça vous dit quelque chose, ça c'était vraiment l'un des morceaux des années 80 que tout le monde connaît. Il commence une carrière d'acteur au début des années 80, mais très vite se lance dans la musique et après 3 albums, arrête également la carrière de chanteur en 1986. Mais il ne disparaît pas, il n'est pas absent des radars. Tout juste du monde musical, il devient producteur de films. Et là, c'est le Graal pour lui. Je vous propose un titre qui est resté numéro 1 pendant 10 semaines en France, au top 50. C'est Monsieur Al Corley avec Cold Dresses 1984.
Alors, une des bios de ce groupe américain stipule « groupe de courte durée ». Eh ben oui, pourquoi pas. Traduisez « groupe éphémère », comme beaucoup dans les années 80, mais contrairement à bien d'autres, deux albums quand même. L'un en 1981 et le second en 1982. Et donc, pas si éphémère que ça, car bien d'autres se sont plutôt arrêtés à un seul single et n'ont jamais fait d'album. Le groupe s'appelle Vicky Day. Oui, Vicky Day, ce n'est pas une dame, c'est bien le nom d'un groupe. Et le morceau, c'est Mystery Lover 1982. Vous êtes dans les années Disco Funk avec Willy sur RTV FM. Intensément musique. Will it be you?
tout va bien. Je vous retrouve la semaine prochaine à 18h sur le 102.2 en FM et ou le www.rtfm.net partout en France et ailleurs dans le monde. Pour le nom de tel ou tel titre de ce soir ou bien pour me contacter, c'est sur willy@rtfm.net. Je répondrai à tous vos messages, je vous le promets. Dès demain, l'émission sera en podcast sur notre site www.rtfm.net, menu podcast, émission Disco Funk. N'oubliez pas également notre page Facebook qui vous donne toutes les dernières nouvelles de votre radio. Et on termine par un titre que les connaisseurs n'ont pas oublié. Pour les autres, vous allez découvrir un incontournable des années 80. C'est Blue Feather avec Let's Funk Tonight. C'était en 1981 déjà. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Bonne semaine sur RTVFM. Au revoir messieurs. Bisous mesdames. Ciao ciao.